Le Seven Casino ne cesse d'innover. La dernière acquisition de l'établissement amnévillois de jeux d'argent se nomme le Jackpot Mystery. C'est une grande première en France. 54 machines sont connectées sur ce concept, de la plus petite mise de 1 centime à la plus grosse. Le concept du Jackpot Mystery est simple. À n'importe quel moment, le jackpot peut tomber sur l'une des 54 machines connectées sans qu'une combinaison gagnante ne soit nécessaire. Donc le principe, on a essayé de, c'est toujours un petit peu théorique, hein, les calculs de machines à sous. On a essayé de dire, on va le faire gagner au moins une fois par mois pour le plus important des jackpots. Après les autres, on espère, notamment le petit qui tombe plusieurs fois par jour et le middle qui tombe une à deux fois par mois en fonction. Mais ça, on ne peut pas savoir. Alors le gros jackpot, bah, c'est le concept mystery qui choisira le montant parce que c'est vraiment quelque chose que l'on n'a pas accès, on espère qu'il devrait tomber aux alentours de 20 000 euros, mais ça peut être 15 000 comme 25 000, voire même plus. Le gagnant se verra offrir en plus de ce jackpot un pack cadeau, comme nous l'explique le directeur. Voilà, donc le principe aussi, c'était un petit peu de bénéficier de ce gain pour les clients et qu'ils se sentent beaucoup plus valorisés. Déjà prendre de l'argent, c'est déjà bien, mais il faut aussi en faire un client vraiment privilégié de notre établissement. Donc il aura accès à un repas pour deux personnes par semaine, une nuit d'hôtel pour deux personnes avec notre partenaire Golden Tulip, et ensuite des tickets promotionnels, donc il pourra jouer jusqu'au prochain gain, et ainsi de suite, et ça sera un autre qui gagnera tous ses avantages. Le Seven Casino investit toujours plus afin de satisfaire sa clientèle. La volonté est de créer des espaces comme ce fut le cas l'été dernier avec la mise en place d'une terrasse qui a coûté plus d'un million d'euros. Un nouvel espace plus cosy est d'ailleurs en travaux actuellement. La finalité pour l'établissement étant bien évidemment de booster le produit brut des jeux. Le Seven Casino projette également de faire l'acquisition d'un blackjack électronique afin que les amateurs puissent jouer de 20h jusqu'à la fermeture de l'établissement et ce, sans la présence d'un croupier.